Alors, sur le locomoteur, effectivement, donc là, on est dans le cadre, comme le disait Gauthier, de la saison chaude, mais de façon générale, on est sur des terrains de concours aujourd'hui qui sont de plus en plus durs. Donc, des salles qui sont sollicitants pour les articulations, qui sont déjà mises à rude épreuve parce que le saut d'obstacle, par exemple, mais même l'endurance de par la nature des sols sont des disciplines qui sont très sollicitantes pour les articulations du cheval. Donc, pour l'aider au quotidien, là aussi, Equistro a pensé donc, à des supports en fait, de l'articulation du cheval sous forme de différents produits donc, qui sont donc, chez Equistro le Flexadin, mais aussi l'Artfiton. Donc ces deux produits sont à visée articulaire et donc c'est des complexes de plantes, de minéraux qui vont justement protéger les articulations, protéger le cartilage et donc faire en sorte que le cheval soit plus confortable, pardon, soit plus souple au niveau de ses articulations. Et voilà, dès la sortie du box, parfois vous avez un cheval qui est un petit peu redouille. Et bien là, avec ces produits-là, vous aurez un cheval qui sera beaucoup plus délié, beaucoup plus vite. Et c'est pour le Flexada en tout cas, donc complètement pas dopant. L'Artfiton, il faut l'arrêter un petit peu avant les épreuves. Mais en 48 cas, heures avant, l'Artfiton. Flexadin, c'est, vous pouvez le donner même en épreuve. Et donc, c'est un produit qui est utilisé par nos cavaliers de l'équipe de France, notamment lors de la préparation des JO, pour justement donner une petite dose de confort au plus, au confort des chevaux au niveau des articulations.